Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent Lee. Salut, je m'appelle Amy. Aujourd'hui, nous allons faire la cuisine de Pâques typiquement français. Nous sommes devant de la piscine. Whole Foods. Whole Foods. Whole Foods. Whole Foods. Pour le plat principal, nous allons préparer une quiche Lorraine. Et pour le dessert, nous allons faire de la crème brûlée aussi. Nous allons acheter nos ingrédients. Allons-y! Les ingrédients pour nos recettes sont... un oignon. Les épices. Du sel. Sucre marron. Une pâtisserie. Du fromage. Bacon. La crème. Une douzaine mousse. Extrait de vanille. Nous allons commencer. La quiche Lorraine pour préparer tous les ingrédients. D'abord, faire revenir le bacon dans une poêle. Tu aimes le bacon, Amy? Non, je n'aime pas le bacon parce que le bacon est très gros. Non, le bacon est très délicieux. Ensuite, hachez le bacon. Ensuite, hachez les oignons. Je déteste hacher les oignons. Oh, mes yeux! Ajoutez le fromage, le bacon et l'oignon sur la pâtisserie. Puis mélangez 4 œufs, la crème, le sel et le sucre dans un bol. Versez le bol dans la pâtisserie. Ajoutez beaucoup de fromage sur la quiche Lorraine. Enfournez la quiche Lorraine durant 15 minutes. As-tu déjà voyagé en France? Non, mais j'aime la cuisine française. Ah oui, la cuisine américaine est bonne, mais la cuisine française est meilleure. J'aime dessert français aussi. Quel dessert préférais-tu? Oh, je préférais la tiramisu, la crème caramel et la crème brûlée aussi. Ah, oh, la crème brûlée! J'adore la crème brûlée! Il est très 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 délicieux. Je veux manger un peu maintenant. Le soin de la faire cuire maintenant! Commencez la crème brûlée par mélanger 4 cuillères de sucre, 1 cuillère d'extrait de vanille et 6 œufs dans un bol. Versez 2 tasses de crème dans une poêle chaude. Après, ajoutez tous les ingrédients. Versez dans un petit bol. Enfournez la crème brûlée durant 30 minutes. Ensuite, mélangez 2 cuillères de sucre blanc et marron dans un petit bol. Versez le sucre sur la crème brûlée. Enfournez la crème brûlée pendant encore 2 minutes. Vous pouvez ajouter une framboise sur la crème brûlée. Voilà, c'est joli. La crème brûlée est très sucrée. La quiche Lorraine est très bon. Bon appétit. Au revoir.